Les étalons du Burkina Faso et les fenecs de l'Algérie se sont quittés dos à dos à l'occasion de la deuxième journée des matchs de poule de la CAN 2023. Devant 33 501 supporters, les Burkinabés et les Algériens ont régalé le public en but. Pendant les deux périodes, les étalons ont toujours dévancé au score avant de se faire rattraper par les Algériens. Après le match, à la zone mixte, les joueurs burkinabés ont donné leur impression générale sur les déroulés du match. Ouais, je pense que c'est un point à prendre parce qu'on encaisse deux buts, du coup, de arrêter. Je pense que on est bien dans le match, on a marqué deux buts et après on s'est fait rejoindre la dernière minute. Donc c'est une chose qu'on doit beaucoup travailler sur les coups de arrêter pour essayer de ne pas prendre beaucoup de buts sur les coups de arrêter. Ensuite, on va jouer pour la première place parce qu'on va jouer l'Angola pour la victoire. On vise la première place pour être sûr de se qualifier. Ouais, je pense que dès le début de la compétition, on l'a dit qu'on était là pour jouer la coupe. Donc on est mal rentré dans le premier match, mais avec une victoire, je pense que c'est un bon point à prendre parce qu'on sait que l'Algérie, c'est une petite nation. Donc à nous maintenant de nous mettre au travail, bien se reposer et affronter le troisième match pour la première place. Avec ce résultat, le Burkina Faso et l'Angola sont les leaders de la poule D avec 4 points chacun.